La pierraille et la boue sont charriées par le courant, les remous on voit passer. Alors Brèche de Roland, c'est à l'origine un projet qui est assez solitaire. J'ai pendant plusieurs années écrit et composé toute une série de chansons au piano. La première rencontre a été avec Nicolas, qui a commencé à m'accompagner à la guitare plus ou moins l'année dernière. Et puis s'est joint à l'équipe Fabrice, qui a donné la direction musicale au projet. Puis de fil en aiguille, ça a semblé évident pour moi, peut-être pour lui aussi. De participer au projet en tant que musicien. Et puis Simon est arrivé au départ pour remplacer Nicolas, mais une fois qu'il était là, on n'a plus voulu le lâcher. Et voilà, donc aujourd'hui Brèche de Roland, c'est un projet à quatre. Ses bras et mes bras ne font plus qu'un. Elle donne un rythme au mouvement de mes mains. Avant de parler d'atmosphère, on peut parler déjà de Brèche de Roland, qui est un lieu géographique. Qui a même deux lieux géographiques, et ce sont des lieux quand même accentués, taillés dans la roche, des gouffres. Voilà, l'un aride, exposé aux températures extrêmes, la glace, le soleil. Le deuxième qui est dans le Cantal, et donc qui est plutôt sur une ambiance ténébreuse, quoi, où on découvre les éléments au fil des pas. Et voilà, la musique. Les chansons de Brèche de Roland se trouvent quelque part entre ces deux Brèche de Roland géographiques. Plonge ici, viens retrouver le lard sous les rochers. On doit suivre une petite rivière, mais qu'on n'a pas l'habitude de suivre. C'est une rivière un peu cachée. Donc on a voulu, le choix stylistique, c'était de base de prendre le parti d'enlever la rythmique traditionnelle et de créer la rythmique, d'aller plutôt chercher ce que Cora dégage naturellement, de suivre son fil. Ici, il envoie incendiaire les particules. On est dans un univers presque onirique au niveau du texte, qui a des allures impressionnistes, moi je trouve personnellement. Et on nous dit souvent, je pense, dans les concerts et autres, que ça laisse place à beaucoup de rêveries et beaucoup de... Les gens partent, quoi. Les gens voyagent un peu au fil de ces textes, mais pas que. Évidemment, la musique a aussi son rôle à jouer là-dedans. On a l'ambition, on a le projet d'enregistrer un EP de 5 titres et puis de réaliser un clip. Donc ça, c'est les raisons pour lesquelles on réalise un crowdfunding. Et on a un cadeau, donc on a le premier euro du groupe. Ok. Ça, c'est pour notre participation au crowdfunding. Voilà, okay. Bon, on sera avec toi jusqu'au bout.